Et coucou, bonjour. 18h pétante. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici, ça a été le déluge. Je me suis dit ce soir, pas de direct. À cause que. Because que. Oh, l'huile. Non, il y a eu de gros, gros orages ici. Donc, ça a tonné fort. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde. Je vais regarder un peu. Oui, Michel, Josie, Franny. Je suis obligé de le dé, je vois pas tout. On va mettre ça sur l'écran. Alors aujourd'hui, ça va être un set un peu mélancolique. Alors que je cale la vidéo. Hop. J'espère que vous allez bien. On va couper les volumes. Ah ben voilà. Isabelle, Josie, Véronique, André, Joanne. Un coucou au Québec, entre autres, évidemment. Donc, qu'est-ce que. Oui, comme je vous disais, je vais vous faire des chansons. On va tomber un peu dans la mélancolie avec un petit panaché. Il a fallu que je calcule ce que j'allais vous interpréter aujourd'hui. Un petit panaché avec des chansons personnelles et puis des chansons de grands auteurs. Les bras de Margot, j'oublie tout, je suis bien, je ne pense plus à rien. Dans les bras de Margot, il y a du bleu des oiseaux, la mer et les bateaux. Dans le cœur de Margot, il y a tellement d'espace, chacun trouve sa place. Mais quel est le secret de sa sérénité? Dans ces bras-là, chapeau, on peut vivre et rêver. Dans les bras de Margot, je suis bien, je ne pense plus à rien. Dans le cœur de Margot, il y a quelques cicatrices qu'elle montre avec délice. Dans les yeux de Margot, il y a comme des étincelles qui rendent la vie plus belle. Voilà tout le secret de sa sérénité. Dans les bras de Margot, on peut vivre et rêver. Mais dans son cœur, la belle, elle a aimé des hommes. Elle a appris en somme à ne plus vivre pour elle. Dans ses mains, vous dessinez sa vie en quelques traits. Un peu on devine quelle femme elle a été. Aimer des hommes, elle a appris en somme à ne plus vivre pour elle. Quand ses mains vous dessinent sa vie en quelques traits, peu à peu on devine quelle femme elle a été. Et comme une aquarelle, fragile comme une ombrelle, une petite flamme brûle au fond de son âme, et son petit cœur s'alarme, n'avant rien laissé. Le goût d'une larme, un souvenir d'un été. Voilà une chanson que j'ai écrite en hommage à ma tante Marguerite, Margot. Voilà, c'est vrai que là, c'est vraiment, vraiment autobiographique. C'est une personne qui a beaucoup, qui est disparue, en même temps, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup compté dans ma vie. Et quand je parlais de la séquence un peu nostalgique et mélancolique, ma tante Margot, voilà. Donc, c'est vrai que quand j'étais gamin, mes parents avaient beaucoup de travail. Et donc, c'est ma grand-mère et sa sœur, donc Margot, qui sont beaucoup occupées de moi. C'était des personnes qui ont énormément compté dans ma vie. Voilà, donc je vais sauter allègrement une autre chanson nostalgique qui n'est pas de moi et qui va vous rappeler aussi plein de souvenirs. Thank you.
sa façon nous appelait ses gosses. On voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et d'un seul coup, nos leçons, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette quand on faisait la fête. Elle venait chez nous, Laurette. C'était bien, c'était chouette quand on était fauché. Elle payait pour nous, Laurette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on a mis l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette. On y retournera pour ne pas l'oublier. Ce sera bien, ce sera chouette, et l'on reparlera des histoires du passé, Laurette, ce sera là. Chouette, puis l'on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Ce sera bien, ce sera chouette, puis l'on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Voilà la petite séquence nostalgie. Est-ce que le son est bien? Bernadette, tu ne t'inquiéteras pas aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc, Chantal, bonjour Alain, Alain Simon, Robert Laurie, bonjour Robert. Alors toujours dans la nostalgie, on va continuer hein, avec le temps qu'il fait. C'est parfait. Bonjour Janet, Louisa, ben voilà, Alexis, Claudie, j'espère que vous allez bien, en tout cas je suis ravi d'être parmi vous. Donc le questionnement que je vous ai posé, que je me suis posé hier, je vais continuer à me faire plaisir et puis voilà, si un jour je suis occupé, ou bien je vous préviendrai et puis sinon on fera peut-être des thèmes, etc. pour ces directs. Donc par contre, j'ai vu quelque chose tout à l'heure, par hasard. L'Assassin nous dit qu'à partir de 1000 vues, on pourra éventuellement toucher
quelques centimes. Donc, il faut faire grimper les vues, partager un maximum tous ces directs afin de pouvoir monter au-dessus de 1000 vues. Donc, si vous voulez participer à votre façon, eh bien, partagez autour de vous, faites découvrir. Ce qui serait bien, c'est que je puisse toucher un public en plus de vous qui m'êtes fidèle, évidemment, j'en suis ravi. Mais si vous voulez me rendre service, eh bien, voilà, votre façon de faire un retour, ça serait justement de partager sur plein de gens que vous ne connaissez pas, enfin que vous connaissez pas, qui ne me connaissent pas, et partager sur leur page pour qu'ils puissent, eux, augmenter ce nombre de vues, puis surtout se faire connaître. Voilà. Et puis après, en espérant que ces personnes auront envie de venir me voir sur scène, en vrai, en direct, on pourra se toucher des yeux plus que par un écran. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage, au printemps tu verras, je serai de retour, le printemps c'est joli, pour se parler d'amour, nous irons voir ensemble les jardins refleuris, et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. À voir Paris si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme à la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de ceux qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des chevaliers anciens. Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Rattrape plus. L'immense Barbara. On continue dans la mélancolie. Une chanson de ma composition.
que j'ai pas tant fait que ça finalement. Alors on a une, j'ai eu la chance d'avoir mon amie Sandra Lecouteur qui a enregistré cette chanson sur son dernier album, dans une autre tonalité, avec ses musiciens, c'est encore autre chose. Les chansons sont faites pour vivre et passer de bouche en bouche, d'oreille en oreille, d'oreilles en oreilles, ça sera mieux. Et donc elle a fait son petit bout de chemin, elle est partie en Acadie, au Canada. Et puis mon ami Alain Vitier m'a fait le plaisir aussi d'en faire une version bien à lui, avec sa belle voix chaude. Et bien là, je vais vous livrer la mienne. Rue des Moulins d'Étienne, je vois à travers mes persiennes jouer des gosses à la marelle, surveillés par des femmes encore très belles. Eh bien, que cela ne tienne, quand on voit des fleurs, on voit les crènes. Elles courent partout en ribambelle, sur les pelouses, en aquarelle. Passe le temps, joue les enfants au fil d'une mélodie, d'un accord qui te sourit. T'en fais pas, mon petit bonhomme, on se reverra samedi, à samedi. Rue du Moulin d'Étienne, je guette jusqu'à ce que la nuit vienne, que les petits gosses rentrent chez eux, crotté mais plein d'éclat dans les yeux. Et moi derrière mes fenêtres, j'écris des tas de mots et de lettres, des chansons pour le bien-être, qui le seront un jour peut-être, un jour peut-être. Passe le temps, joue les enfants, au fil d'une mélodie, d'un accord qui te sourit. T'en fais pas, mon petit bonhomme, on se reverra samedi, samedi. Rue du Moulin d'Étienne, les mélodies qui sont les miennes seront couvertes par la télé, on sentira les frites. Passe le temps, joue les enfants, au fil d'une mélodie, d'un accord qui te sourit. T'en fais pas, mon petit bonhomme, on se reverra samedi, à samedi. Mais on va quand même pas finir sur que de la mélancolie, mais avec ça tombe bien parce que le 22 mai on fêtait la disparition du grand de l'immense Victor Hugo. Et puis ce texte que Georges Brassens a mis en musique, donc il a pas tout pris, hein, mais j'en avais fait une version que j'ai bien aimée, que je pense que en fait le fait de faire ces directs, ça m'apporte aussi d'avoir une certaine rigueur que je n'aurais pas forcément quand je chante tout seul devant mon écran. Mais là, vous êtes là, donc faut que j'assure quand même. Donc, et puis ça me donne des idées, d'arrangements, etc. Donc, Gasti Belza, avec ma petite version perso. Belza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois la nuit gagne, le Mont Falou,
Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un a-t-il connu Sabine, ma signora? Sa mère était la vieille Mougrabine d'Antequera, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment, la reine eut près d'elle était laide quand vient le soir. Elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu: pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendon, oui, je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi, pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi, le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César empereur d'Allemagne par le licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois la nuit gagne. Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou. Ba-da-ba-ba. M'a rendu fou. Et voilà donc cette petite folie brassénienne, hugossienne, erwensienne, tagada, tagada, twen. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était vraiment, vraiment super. Puis c'est toujours un plaisir. Donc partagez. Il faudrait que tous les directs que j'ai fait jusqu'à maintenant, depuis le, je ne sais plus combien j'en ai fait, mais repartagez-les. Il faut qu'on monte au minimum à 1000 vues. Donc il y en a, ils ont 2000. Il y en a qui ont 600, 700. Donc il faut arriver au minimum à 1000 vues. Donc voilà, si je peux vous demander de me rendre ce service, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour me rendre service. Et puis ça me permettra surtout de me faire connaître. Parce que bon, ce côté-là, rien ne vaudra jamais la vérité, je vous le dis propos, la vérité en face, quand on est les uns près des autres. On ne va pas passer notre vie à faire du live sur Internet. Les valeurs humaines de chaleur, des effusions fraternelles, même si on a un peu évité au départ. Hein. Soyons négatifs. Non, il vaut mieux être négatif que positif. Hein. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, et puis partagez partout, sur toutes les personnes de votre... On ne sait jamais. Ça coûte rien. Je vous embrasse. Au revoir.